J'espère que vous allez bien. Moi, je viens à peine de m'éveiller, ça fait peut-être 5 minutes. C'est très tard. C'est un signe, je viens de recevoir le SMS qu'on prend mon appareil photo et tes dispo. Donc, je viens de me lever, il est 10h10. Aujourd'hui, j'ai un peu la tête dans le cul. Clairement, je me suis endormie, ça devait être 2h30, 3h du matin. En ce moment, j'ai mal à dormir. Je pense très sincèrement que je vais voir pour me prendre de la mélatonine parce que je passe des nuits à ne pas pouvoir dormir comme cette nuit et du coup j'arrive plus à me réveiller et j'aimerais pouvoir faire une nuit en me disant j'ai bien dormi cette nuit, sauf que ça fait bien longtemps que ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller à Boulanger aller chercher mon appareil photo. Je suis assez contente et excitée. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas arrivé à dormir. Je ne sais pas si je vais me maquiller. D'un côté, j'ai envie. D'un côté, je suis exténuée. Je suis fatiguée. Je ne sais pas. Donc voilà quoi. En plus, j'ai des cheveux. Il faut que je demande à ma mère si elle a un peu. Si en fait, j'ai un coiffeur à côté, j'aimerais me recouper les cheveux. Pour réaliser parce que ça se voit que c'est pas du tout droit. Faut qu'on appelle. Je pense que j'irai la semaine prochaine. Enfin, ça dépend du prix en fait. Du recoupe. Ma frange, pas pour la recouper, mais pour que ce soit vraiment droit, c'est pareil. Il y a un côté court, il y a un côté plus long, c'est pas très joli. C'est pas très esthétique, pardon. Du coup, hier, je vous avais mis... je vous avais dit que j'avais mis le panier à Hutch sur mon lit. Franchement, c'est un échec. Il a dormi avec moi, derrière moi. Et pareil pour le panier, en fait, il se met à côté. Donc, je pense très sincèrement que c'est un échec. Vraiment un échec, donc... En plus là il est tombé cette nuit je pense. Mais cette nuit j'étais tellement agitée que je pense que voilà. Il faut que je range aussi parce que vous avez dit que hier que j'allais ranger, mais au final j'ai absolument rien rangé. Ou alors vraiment un petit peu. Donc voilà quoi. Que dire de plus, faut que j'aille manger, mais je ne sais absolument pas. Enfin, il me reste des crêpes au jambon, que c'est ce que je mange en ce moment, c'est ce qui me reste un peu. Je vide le congélateur parce que là c'est vraiment la dèche. Il dort, je vais manger en boire, mais bref. Donc voilà, je vais aller manger et après je verrai si je fais un live ou pas.
D'un côté, j'ai envie de me maquiller, d'un côté, j'ai une flemme. Ah, t'es sweatch. Bref, moi, je vais vous laisser. Bon, je suis de retour. Il est 13h53. Et je suis maquillée. Je sais pas si on va voir très bien, mais j'adore comment je me suis maquillée. C'est la première fois que je me maquille. Alors, pas vraiment comme ça, mais avec ces produits. Ça a mélangé. J'ai utilisé la Just Peachy Matte. Donc j'ai utilisé je ne sais plus comment il s'appelle le nom, c'est de la rouvrir. J'ai utilisé le Peach Punch qui est là. Et celui d'en bas, le Bordeaux en coin externe. Alors, je trouve, peut-être que je le ferai pas la prochaine fois. Mais en tout cas, cette palette, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisée. Je pense que je vais beaucoup me maquiller avec. Et du coup, j'ai utilisé le fard Frost Line, si je ne dis pas de bêtises, en paupière mobile. Et j'ai fait un trail liner pailleté assez beaucoup moins épais que d'habitude, avec le liner Too Faced que il y avait un moment que j'avais pas utilisé et que j'aime beaucoup. C'est celui-là, on voit que je l'utilise beaucoup, mais je les aime vraiment ces liners. J'ai envie de tester de ceux de Urban Decay. Il y en a des qui disent que c'est bien, il y en a des qui disent que c'est pas bien. Donc je pense que je ferai mon avis par moi-même, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et ça fait plusieurs fois que j'utilise le mascara Go Home de Kat Von D. Donc c'est le nouveau que moi que j'ai eu en miniature dans un magazine Grazia. Je sais pas si ça va être encore dispo, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'en base, je mets toujours celui-là pour bien avancer pareil les cils et après celui-là. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça donne un peu de volume sur moi, parce que moi, vous savez que moi et le volume, ça fait 25 000. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et ça, c'est rare que je dise ça pour un mascara. Et du coup, en rouge à lèvres, j'ai mis le suède comme ça là, que j'aime beaucoup, et que c'est le Rosé the Day. Moi je sais ce que j'ai dit dans mon live, je l'aurais appelé Peach the Day parce que c'est absolument pas un rosé. Je vais essayer de vous le montrer sans faire des catastrophes, mais c'est pas du tout un rosé, on est d'accord. Donc c'est un de mes nudes barrettes préférées. Franchement, il faudrait que je fasse mon top 5 nude, parce qu'il y a de belles choses. Franchement, et j'ai mis le gloss par-dessus, le Fenty Glow. C'est le premier et c'est un bon assortiment, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le gloss en ce moment. Genre, mettre un rouge à lèvres mat et par-dessus du gloss, parce que j'ai les lèvres hyper sèches et j'aime pas qu'on voie mes ridules, etc. Je mets souvent un gloss. Et du coup, j'aime beaucoup ce look. J'ai pris en photo, peut-être que je le posterai sur Instagram. Parce que quand j'aime mes maquillages, je les mets sur ça, mais c'est plus ou moins rare, quoi. Donc, mais je vous avais dit que j'avais du mal à estomper les deux derniers jours. Et au final, je pense que c'est ce fard à paupières. Alors, c'est la Beauty Amplifier. C'est la base poudre pour les yeux. Et je l'ai énormément utilisé. Et je pense que c'est ça qui fait que ça ne s'estompe pas très bien. Parce que là, je ne l'ai pas utilisé et j'ai eu aucun mal à estomper. Et c'est pas les fards à paupières, parce que les fards à paupières, d'habitude, j'ai aucun souci. Donc je ne comprends pas. Je réessayerai pour voir, mais ouais. Bref. Tout ça pour vous parler, je vais aller m'habiller. Enfin, je vais commencer à m'habiller parce que. En plus, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre. Mais vu le temps,
Je vais pas me mettre en t-shirt, hein. Exclu. Je cherchais le mot. Parce que vous voyez le temps. Regardez. Le temps qui fait. Il fait pas beau du tout. Donc je pense qu'il y a plus ce matin apparemment. Et je pense qu'il va pleuvoir. Donc j'espère pas. Parce qu'il faut sortir avec, hein. Ouais, c'est vraiment pas beau le ciel. Donc bon. Temps de merde. De toute façon, il fallait s'y attendre. On a eu du beau pendant un certain temps. Et à chaque fois, c'est le retour de flamme, comme je dirais. Bref, moi je vais vous laisser. Je vais aller m'habiller. Je vais aller ranger un peu parce que il faut tout ranger. Bon, j'ai pas trop de mal à ranger parce que j'aime bien ranger. De mes jobs, à chaque fois je passe pour une folle. Bon, je me retrouve au même endroit. Finalement, je ne sais pas si on y va aujourd'hui, si on y va en bus. Là. Le temps, le temps, c'est clairement une catastrophe. Il doit pleuvoir, je pense. Et en plus, en fait, le truc c'est qu'on devrait y aller en bus. Mais le truc c'est que bah aller jusqu'à Carrefour en bus parce que boulanger c'est à côté de Carrefour. Et en fait le truc c'est que mon fauteuil j'ai peur vraiment de pas avoir assez de batterie. Et du coup j'ai mon autre fauteuil manuel. Mais j'ai peur que ma mère me dise ah oh, bah non parce que c'est vrai que moi je ne peux pas me pousser toute seule. Vraiment sur de petites distances et encore. Parce que j'ai pas de force dans les bras, c'est pour ça que j'ai un fauteuil électrique maintenant. Mais on garde toujours le manuel au cas où. Donc on verra si on fait comme ça. Parce que j'ai peur de prendre mon électrique et qu'au final il n'y ait pas assez de batterie. Et j'ai peur d'y aller aussi à pied. J'ai peur de pas pouvoir revenir. C'est ça le souci. Donc je vais voir ma mère parce que j'en ai aucune idée. Je suis désolée s'il fait noir, mais. Attends, dégueulasse. Je suis presque prêt à allumer. Ouais, elle me demande mon déambulateur. Le truc, c'est que j'ai peur de pas pouvoir revenir. Parce que là, je me sens bien au niveau pour marcher, mais j'ai peur vraiment de me dire que je suis hésitante. Donc je vous redis. Mais ouais, j'ai peur de ne pas pouvoir revenir. J'ai très peur. Et je peux pas. On peut pas dire ah bah, bah si tu peux pas revenir, on appelle quelqu'un. Non, c'est. Bref. Je vais voir ça, je vous redis. Et bah, je vais aller. Je suis en train de négocier avec ma mère. Enfin quoi que on va juste à boulanger hein. Bref, c'est compliqué quand on est comme moi dans une situation assez voilà quoi. Quand on peut pas marcher beaucoup, c'est assez pénible, on a besoin de toujours avoir quelqu'un, bref. Donc, elle s'habille. Bon, je vais aller m'habiller parce que depuis tout à l'heure, je dis je vais m'habiller. Mais je me suis pas habillée. Je vais faire un montage que le master a à faire. J'aurai juste à faire le montage du vol de vous regarder. Et voilà. Mais franchement, là, je suis hyper bien. En fait, merci à René Sombouille parce que je fais le montage hier vers 20h30, il me semble. Et après j'ai mis la. Je crois que j'ai mis la vidéo à charger vers 9h30 je crois et à 10h, 10h15. C'était tout mis sur YouTube. Donc franchement, j'aurais jamais pu faire ça avec SFR, clairement. Donc voilà, hein? On va aller s'habiller. On va aller s'habiller. Je sais pas si toi tu vas sortir parce que je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il pleut. Donc bon, s'il pleut pas beaucoup, il y va. Parce que de toute façon, on sèche aux sèche-cheveux.
Il n'y a aucun souci. Bon, je vous retrouve, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai pas beaucoup blagué parce que, en fait, on devait y aller, après on devait plus y aller. Du coup, c'est mes parents qui ont été pour moi. Donc là, l'appareil photo, il est en charge. Donc je vloguerai avec l'appareil photo de demain, du coup, je... X-Tay. Parce que là, il est en charge. Donc là, il est 18h29. Je suis un peu KO. Pas parce que j'ai fait plein de trucs, parce que c'est le temps, voilà, c'est le temps dehors, c'est encore pire. Il pleut donc. Du coup, c'est mes parents qui ont été pour moi. J'ai eu un petit moment de baisse de morale. Et du coup, bah, ils ont été pour moi. Donc voilà. On a encore appelé SFR, hein, pour la 10 000e fois. Pour le fameux remboursement, normalement j'ai le 10 mai, je crois. Enfin, mais tout, on peut s'attendre à tout. Hein. Mais là, ouais, je vais essayer de ranger. Je vais demander à ma mère qu'elle m'aide quand elle reviendra. Je sais absolument pas ce que je vais manger. J'ai limite pas faim. Donc, je pense que je demanderai à ma mère qu'elle me fasse des crêpes au jambon et je les mangerai tout à l'heure. À moins que j'ai autre chose. Parce que j'ai plus rien. Là, je suis là. Je fais mes fonds de tiroir, mais du coup, je vais faire mes courses demain. Du coup, ça permettra que le vendredi, il y ait un peu moins de monde que le samedi. Et nous, on y essaye d'y aller à l'ouverture. Vraiment. Même si en bus, c'est assez compliqué. Samedi, faut que. Du coup, c'est annulé le. Enfin, nos repas pour diverses raisons. De toute façon, il faut que je lave Hutch, que je me lave moi. Parce que là, je vais habiter lui parce que sinon, c'est pas possible de le laver. Donc, ouais, il faut que je le lave parce que ça fait, je crois, 2 mois que j'ai pas lavé. Il me semble, hein, parce que au mois d'avril, je l'ai pas lavé. Vu qu'il a eu son infection, il n'avait pas le droit d'aller dans l'eau ni quoi. Là, ça va beaucoup mieux, donc heureusement. Mais ouais, du coup, il faut que je le lave. Je pense que ça va lui faire un plus grand bien. Même si, bon, là, il fait mauvais, donc bon, il va être sale assez rapidement. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie avec un chien. Voilà, Jordan, le replay de Grey's Anatomy. Mais je pense que je vais me le faire soit samedi, soit dimanche. J'ai le temps, de toute façon. Mais du coup, j'ai beaucoup de vidéos à rattraper. Mais je crois que j'ai. Oula, ah non. J'ai tout ça à rattraper. Je vais vous montrer un peu mon. J'ai tout ça à rattraper. Voilà. Mais vu que je regarde des autres vidéos en ce moment, je regarde les vidéos de The French Way. Dès que j'avais envie de regarder. Et ces vidéos, c'est 1 heure, 1 heure et demie, même 2 fois. Là, j'en ai vu une, il y a 3 heures de vidéo, donc je vais bouiller. Mais du coup, j'aime bien les vidéos longues, donc ça me dérange pas. C'est un peu le personnage qui me. Je suis un peu perplexe. Mais sinon, ces vidéos sont assez bien formulées, etc., etc. Mais sinon. C'est plus le personnage qui me dérange un peu. Pas de ouf. Mais quand même un peu. Je saurais pas trop expliquer pourquoi ça. Parce que même moi je sais pas. Bref, moi je vais vous laisser. Du coup voilà, c'est en train de charger. Donc c'est celui-là, hein, je pense que voilà. Vous le connaissez tous. Donc voilà. À demain. J'ai envie de dire. Hein. Voilà le temps. Il pleut, il fait pas beau. Bon là, il y a un semblant de soleil. Mais quand on voit le ciel, ça va pas durer longtemps. Alors que chez Boji, il est extraordinaire déjà.
Mais là, c'est plus lourd, c'est vraiment plus solide. Et alors, au niveau des prix, c'est ça qui est hallucinant. Et c'est pour ça que je me dis, Moji se moque de nous avec les frais de port, etc. Je fais tout venir par Amazon. Je pense que ça arrive d'Angleterre. Et bien souvent, la livraison est gratuite. Bon, au revoir tout le monde. J'ai fait mes soins. Il est 8h20, je laisse déjà. Donc moi, je vais vous laisser sur ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il ne va pas être très long. Demain, ça va être mieux parce que du coup, je vais faire les courses. Normalement, croisez les doigts. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais regarder des vidéos. Je vais enfin me poser parce que du coup, je me suis pas posée pratiquement pas de la journée. Et c'est vrai que j'ai pas hyper bien dormi cette nuit. Donc, oh, je laisse mes cheveux. C'est une catastrophe. Mais je peux aussi. C'est de pire en pire. Bref. Passons. Moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Donc je vous fais des bisous.